Bonjour à tous, ici Manque de Bol 06. Et je suis Xenagami. Soyez les bienvenus dans notre premier numéro du journal What's Up Xeni. What's Up Xeni, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'une version améliorée du Xena News Mag que vous pouvez toujours retrouver sur notre site Xena News dans la section correspondante. C'est notre nouveau grand projet. Il s'agit d'un journal TV Internet présenté sous forme de vidéo qui vous tiendra au courant de tout ce qui s'est passé dans l'univers du Xenaverse. Reportages, interviews, analyses, événements, dernières sorties. En bref, toute l'actualité de la série et de ses acteurs. Au programme de ce premier épisode, un point sur la série Wentworth avec Daniel Cormack. Un retour possible pour la série Galavant avec Timothy Omundson. La série Salem arrive enfin en version française. Les prochains événements du Xenaverse. Les nouvelles aventures de Xena en comics. Et enfin, un petit point sur le reboot de Xena. Passons maintenant à un sujet un peu plus sérieux. Cette rubrique est dédiée à toutes ces personnes qui faisaient et feront toujours partie du monde du Xenaverse et qui nous ont quittés au fil des années. Nous tenons à leur rendre hommage car ils le méritent. Anthony Quinn, né le 21 avril 1915 au Mexique, Anthony Quinn était un grand acteur avec plus de 250 films à son compteur. Cette légende du cinéma américain possède même son étoile sur le Hollywood Boulevard. Il est également un grand peintre et sculpteur. Il est apparu dans les 5 téléfilms précédant la série Hercule en interprétant avec brio le tout-puissant Zeus. Anthony Quinn est décédé le 3 juin 2001 des suites d'une pneumonie aiguë aggravée par un cancer de la gorge. Il était père de 13 enfants. Kevin Todd Smith, né le 16 mars 1963 en Nouvelle-Zélande. Kevin Smith était un acteur et un chanteur extrêmement talentueux. Il est très connu dans le Xenaverse pour son rôle d'Arès, le dieu de la guerre. Il est décédé le 15 février 2002 à Pékin, en Chine. Il est mort suite à une chute d'un échafaudage sur le plateau du film Warriors of Virtue qu'il était en train de tourner. Il était papa de 3 enfants. Elizabeth Branda Holloway. Née le 27 mars 1947 en Nouvelle-Zélande, Elizabeth, surnommée Lydie, était très connue à Hollywood, lui aussi en Nouvelle-Zélande, pour ses nombreux rôles, dont son rôle principal dans la série Shortland Street. Elle a interprété Alcmene, la mère d'Hercule, durant 10 épisodes de la série Hercule. Elle est décédée le 29 décembre 2004 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, des suites d'un cancer au foie. Elle était mère de 3 enfants. Charles Keating. Né le 22 octobre 1941 au Royaume-Uni, il a fondé une compagnie de théâtre à Sheffield et s'est ensuite produit avec la Royal Shakespeare Company. Il obtient une grosse notoriété pour ses nombreux rôles dans des séries télévisées, dont la série Another World. Il est le dernier acteur à avoir interprété Zeus dans la série Xena et Hercule. Il est décédé le 9 août 2014 à Weston, aux États-Unis, des suites d'un cancer. Il était père de 2 enfants. Corinne Le Poulain. Née le 26 mai 1948 en France, Corinne Le Poulain est connue du grand public pour ses nombreux rôles sur le petit écran, Navarro, Julie Lescaut, Plus belle la vie, et pour ses nombreux rôles au cinéma, dont le film Oscar avec l'acteur Louis de Funès. Elle était la voix française de l'actrice Hudson Lake dans la série Xena et Hercule. Elle est décédée le 10 février 2015 des suites d'un cancer foudroyant. Merci pour eux et qu'ils reposent en paix. Parlons maintenant de la série Wentworth. Est finie en tenue de prison ? Adaptée de la série télé australienne Prisoner de 1970, la série Wentworth raconte le parcours de Bea Smith. Ce personnage est interprété par l'actrice Danielle Cormack, très connue dans le Xenaverse pour son rôle de l'Amazone Effini. Voici d'ailleurs quelques images de ce personnage emblématique pour la série Xena, et d'ailleurs je pense que peu d'entre vous l'ont oublié. Pour en revenir à notre sujet, Bea est coiffeuse et maman d'une adolescente de 16 ans incarcérée au centre pénitentiaire de Wentworth pour tentative de meurtre sur son mari violent. D'abord impressionnée et apeurée par ce milieu impitoyable et très codifié, elle y fera une ascension remarquée au point de devenir redoutée du personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, voici le trailer de la saison 1. You break the law, you pay the price. Stripped of your rights. When can I talk to my daughter? Denied your freedom. I'll be back, I promise. A long way from home. It's tough on the inside. Home sweet home, love. You better be tough on the outside. You gotta choose sides in here. No. I beg your pardon. I'm not doing it. You cross me again and you're dead. Who will be top dog in cell block H? We don't negotiate with prisoners. Looks like you come in with your swagger and your youth. Well, at least you just escaped.
There's three ways it can end. Someone gets released, backs down, or ends up dead. The series that's taken Australia by storm. We're coming to get you. Wentworth Prison. Coming soon to Channel 5. Drama with conviction. Cette série, véritable phénomène mondial, a été vendue dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la France, où nous attendons toujours une diffusion. Deux remakes ont également vu le jour en Europe, une version néerlandaise nommée Cell Block H et une version allemande nommée Block B. Actuellement, la quatrième saison est diffusée chaque mardi sur la chaîne australienne SoHo et dès le lundi 27 juin sur la chaîne anglaise Channel 5. La série est disponible en voice TFR sur la plateforme Netflix au Canada. Alors, parlons peu, mais parlons musique avec Galavant. La série Galavant est une série présentée sous forme d'une comédie musicale où nous pouvons suivre les aventures de Galavant, un héros fringant qui est déterminé à récupérer sa réputation en allant à la poursuite du méchant roi Richard, joué par Timothy Amundsen, qui l'a ruiné au moment où il a volé son véritable amour, la belle Madalena. Malheureusement, malgré d'excellentes critiques, la série a été annulée par ABC après seulement 2 saisons, faute d'audience suffisante. Cependant, d'après certaines rumeurs, les créateurs de la série seraient actuellement en négociation avec la plateforme Netflix pour relancer la série. Grâce au soutien et aux pétitions des fans du monde entier, une adaptation sur scène de la série serait également prévue. Affaire à suivre donc. Ah, Salem en version française. Ça va en faire plaisir à certains. Quoique les doublages, parfois... Diffusée depuis le 20 avril 2014 sur WGN America, la série Salem se déroule dans le Massachusetts du XVIIe siècle et suit la tristement célèbre affaire des sorcières de Salem. Lors de sa première diffusion, l'épisode pilote a réalisé un excellent démarrage pour la chaîne câblée, accessible seulement dans 72 millions de foyers américains en réunissant les 1,52 millions de téléspectateurs. Le développement de la série a commencé en juillet 2012 sous le titre de Malice. Le 4 juin 2013, VGN America passe une commande de 13 épisodes, désormais sous le nouveau titre Salem. Actuellement, la série est diffusée en exclusivité en version française sur la chaîne belge Plug RTL, en raison d'un épisode chaque vendredi à 21h35. Mais regardez plutôt. Vendredi sur Plug RTL, série inédite, Salem. Je ne suis à Salem que depuis 2 semaines et j'ai déjà pendu 3 sorcières. Est-ce là le prix à payer pour connaître le paradis sur Terre ? Dans des temps reculés de la jeune Amérique, la chasse aux sorcières a commencé. Quelqu'un a découvert notre cercle dans les bois la nuit dernière. Nous devons savoir qui vous a vu. Qu'attendez-vous de moi, mademoiselle Hale ? De la justice pour tous les autres innocents que l'on pendra au nom de cette barbarie. Le grand rite a commencé et la terre réclame le sang des innocents. Je connais parfaitement mes devoirs. Arrêtez ! Il se chargera des sorcières si vous vous battez. Il a entièrement raison. Par quoi commence-t-on ? Intrigue et surnaturel. Salem, vendredi à 21h45. Plug RTL. Dans cette série, nous retrouvons Lucy Lawless de la 2e saison dans le rôle de la comtesse Marburg, une des dernières descendantes de la lignée légendaire des sorcières allemandes. Son retour pour la prochaine saison n'a pas encore été confirmé. La 3e saison est prévue pour le 31 octobre en Amérique. Le saviez-vous, un spin-off de Xena la guerrière a été tourné en 1997 en Nouvelle-Zélande, mais celui-ci n'a jamais été diffusé dans son intégralité. Cette série devait se focaliser sur l'histoire d'une lycéenne qui voyageait malgré elle dans le temps et débarquait au temps des Amazones. Plusieurs passages de l'épisode pilote ont été repris et diffusés lors du 16e épisode intitulé « La source de la vie ». Lifeblood de la saison 5 de Xena. Le concept de la série a ensuite été utilisé pour créer la série Cléopatra 25-25, mettant en vedette 3 actrices du Xenaverse, Jennifer Sky, Gina Torres et Victoria Pratt. Mais maintenant, que se passe-t-il dans le petit monde du Xenaverse ? Star Events organise ce mois-ci la 4e édition du séminaire Aile Kyoga. Durant plusieurs jours, vous aurez l'occasion d'assister à plusieurs séances de yoga en compagnie d'un maître d'exception qui n'est d'autre que la belle Hudson Lake, ainsi que d'autres surprises en sa compagnie. Le séminaire de yoga se déroulera du 25 au 31 juillet à Prague, en République tchèque. Les places sont très limitées et elles sont fixées au prix de 540 euros. Votre billet comprendra l'accès à la retraite de yoga, l'hébergement et les repas pour l'ensemble du séjour. Voici d'ailleurs le message que l'actrice adresse à toutes les personnes intéressées. Hi, hi everyone, it's that time of year again.
I'm here to tell you about the next upcoming yoga retreat in Czech Republic. It's a week long. It will be in July 25th through the 31st. And if you're interested in signing up, sign up through ilikeyoga.com, I-L-E-I-C-K, yoga, Y-O-G-A.com. And the contact person's name is Jacob. He'd be glad to answer any questions you have. And the reason that I teach yoga, the reason that I keep being drawn back to doing this over and over again is because I feel the most well-used. And the point of doing it is to make a space for you to connect more deeply to yourself so you can find who you really are, who you genuinely are, and how to love that gorgeous human being. So this is not sissy work. This is incredibly brave, courageous work. You're going to be surrounded by other people that are willing to do this work, and they're incredibly loving and supportive. And there will be great joy as well. We go swimming in lakes, and we feed peacocks and pigs, and we dance. And of course, we do yoga. And we learn. We learn how to love more and to accept more and to be ourselves genuinely. So, if this calls to your heart and your spirit, you are absolutely welcome. If you're a brand new beginner or you're an old-time yogi, you are most welcome. Comic Con Italie. Lucille Ollet sera l'invitée d'honneur de la deuxième édition de la Palermo Comic Con qui se déroulera du 2 au 4 septembre à Palerme, Sicile en Italie. Au programme, conférences, séances de questions-réponses et meet and greet en compagnie de l'actrice. Bonne nouvelle, les passes sont vendues entre 25 et 75 euros seulement. La bande dessinée de Xena ? Ouh, je sens que certains d'entre vous l'attendent avec grande impatience. Depuis le 13 avril, les fans américains ont droit chaque mois à un numéro de 32 pages racontant les nouvelles aventures de Xena et de Gabriel. Cette nouvelle collection, éditée par la société américaine Dynamite, est vendue au prix de $3,99. Voici le synopsis du premier numéro sorti en avril. Après le crépuscule des dieux, le monde est incertain. Xena et Gabriel ont disparu depuis 25 ans. Même sans Livy, le pouvoir de Rome grandit. César est déterminé à conquérir à coups de mensonges ce qu'il ne peut conquérir par la force, et les gens autour savent ce qui va arriver. Xena et Gabriel vont tant bien que mal essayer de l'arrêter et devront entrer en guerre contre un homme qui était autrefois un ami. Sur le chemin, Xena devra affronter un ancien groupe de femmes guerrières de son passé, et Gabriel, dont les visions deviennent des prophéties, devra protéger Xena par tous les moyens. Le quatrième numéro sortira ce mois-ci. Les chances d'une sortie française sont malheureusement très faibles, comme pour les autres collections de Dynamite. Et maintenant, parlons un peu de la polémique liée au reboot de la série Xena Warrior Princess. Le 12 août 2015, Bob Greenblatt, le président de NBC Entertainment, a confirmé le projet d'un reboot de la série. D'après les premières informations, le scénariste Javier Grillo-Marc Juac a été engagé par la NBC afin de prendre la tête du projet aux côtés des deux créateurs d'origine, Rob Tapper et Sam Raimi. Plusieurs éléments de la série seront également modifiés, dont les costumes des deux héroïnes et le chakram de Xena. Bob Greenblatt aimerait des tenues moins dénudées, selon ses propos. Malheureusement, Lucille Oles et René O'Connor ne reprendront pas leur rôle dans cette nouvelle série. Et je sais à quel point vous pouvez être déçus. La chaîne aimerait prendre en fait une nouvelle direction totalement différente de la série. La scénariste Catherine Fugate, qui a réalisé le magnifique épisode When Fates Collided, le fil de la vie en français, dans la sixième saison de la série Xena, a postulé pour le poste de scénariste, mais malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée pour la chaîne. Voici ce qu'elle a publié sur Facebook. Comme je l'ai dit avant, mon agent joint NBC il y a de ça des semaines et ils n'ont pas donné suite. Donc je pense qu'ils vont vers un autre style ou créativité, quelque chose qui ne colle pas avec ce que j'ai amené sur la table, du moins jusqu'à présent. Nous voici dans la rubrique du portrait du jour. Et aujourd'hui, notre choix se porte bien sûr sur notre belle Lucille Lawless. Nous allons vous parler de ses 5 plus grands rôles de série, selon les votes de notre équipe. Pour le prochain numéro,
Nous vous laisserons choisir le portrait de l'acteur ou de l'actrice que vous aurez plébiscité via le sondage que nous vous mettrons dans la description de la vidéo. À la cinquième place, nous retrouvons la série Battlestar Galactica, une série télévisée anglo-canado-américaine créée par Ronald D. Moore. Elle a été diffusée entre le 18 octobre 2004 et le 20 mars 2009 sur Sky One et Sci-Fi. Après une attaque nucléaire dévastatrice provoquée par les robots humanoïdes, les Cyclones, les derniers rescapés de la race humaine, partent à la recherche d'une planète mythique appelée Terre. Dans la série, Lucille Lawless interprète Dana Byers, le modèle humanoïde Cyclone numéro 3. Sous toutes ses formes, ce rôle lui a permis de se faire connaître auprès d'un nouveau public. À la quatrième place, on retrouve la série Salem, une série télévisée américaine créée par Brannon Braga et Adam Simon et diffusée depuis le 20 avril 2014 sur WGN America aux USA. Cette série se base sur les terribles procès des sorcières de Salem, s'étant déroulée en 1992 dans le Massachusetts. Dès le début de la deuxième saison de la série, de nouveaux ennemis font leur apparition à Salem. Il s'agit de la comtesse de Marburg, l'une de ces dernières survivantes de la lignée légendaire d'anciennes sorcières allemandes, incarnée avec brio par Lucy Lawless et de son fils. Lucy Lawless est juste superbe et surtout effrayante dans son rôle, ce qui nous rappelle un peu Dark Xena, une série à voir ou à revoir, et on espère la revoir dans ce rôle principal dans les prochaines saisons de la série. À la troisième place, nous retrouvons la série Ash vs Evil Dead. Alors, cette série est une série télévisée américaine créée par Sam Raimi, qui est notamment le producteur de la série Xena et Hercule, et elle est diffusée depuis le 31 octobre 2015 sur Starz. Cette série est la suite de la trilogie d'Evil Dead. Cette série réunit plusieurs membres du Xenaverse. On retrouve notamment Bruce Campbell, qui a repris son rôle d'Ash et a bien sûr joué Autolycos dans Xena. On retrouve notamment Robert Tappert comme producteur, Michael Hurst comme scénariste, Sam Raimi comme créateur de la série, et bien sûr Lucy Lawless. Lucy Lawless interprète Ruby Nobby, une femme mystérieuse qui veut mettre la main sur le Necromicon détenu par Ash afin de contrôler les forces du mal. Dans les premiers épisodes de la série, Lucy est très peu présente afin de révéler progressivement ses intentions. Il faut vraiment attendre le dernier épisode de la première saison pour que son rôle prenne de l'importance. Pour notre part, nous trouvons les passages entre Bruce Campbell et Lucy Lawless juste superbes. Contrairement à la série Salem, cette série est un mélange entre comédie et horreur. Sam Raimi a annoncé qu'elle deviendra un des personnages principaux de la deuxième saison prévue pour cet automne. À la deuxième place, nous retrouvons la série Spartacus. Cette série est une série télévisée américaine créée par Steven S. D. Knight et produite par Robert Tappert et Sam Raimi. Elle a été diffusée entre le 22 janvier 2010 et le 12 avril 2013 sur Starz. La série raconte les aventures de Spartacus, le célèbre gladiateur. Dès la première saison, Lucy Lawless a interprété le rôle de Lucretia, une femme manipulatrice qui aspire à faire évoluer son mari sur l'échelle sociale romaine. Elle a joué son rôle à merveille durant deux saisons et une préquelle. Et à la première position, on retrouve bien entendu son rôle de Xena. Petite histoire sur notre série. Avant de posséder sa propre série, Xena est apparue pour la première fois dans la première saison de la série Hercule lors de trois épisodes. Au début, elle était prévue dans la version originale du scénario du dernier épisode L'Immortel de tuer Xena lors de son affrontement final contre Darfus, son ancien lieutenant. Heureusement, surtout pour nous, au moment de tourner l'épisode, ce moment de l'intrigue avait visiblement changé. Ce spin-off de la série Hercule a été annoncé lors de la fête de fin de tournage de la saison 1 à Hollywood. Elle a été diffusée entre le 4 septembre 1995 et le 9 juin 2001 en syndication. Ce rôle a permis à Lucy Lawless d'obtenir une renommée internationale et surtout, il nous a permis de connaître cette magnifique actrice. Et nous voici déjà à la fin de ce premier numéro de What's Up Zenith. Oh non! Et si, malheureusement. En tout cas, j'espère que ce numéro vous a plu. En tout cas, autant qu'il nous a plu de le faire pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux. Ou à en parler avec vos amis, votre famille, votre chat, pourquoi pas, hein, tout fan est le bienvenu. Venez également faire un tour sur notre site, le lien se trouve dans la description. Enfin voilà, c'était le premier épisode de What's Up Zenith et nous vous souhaitons une agréable journée.